Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir consolidé la veille, plombé par les tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie et au Proche-Orient, le marché a décidé de s'offrir un rebond technique dans l'espoir notamment d'un apaisement du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais c'est le rebond technique des places boursières mondiales qui a soutenu la tendance parisienne. Alors au-delà de la géopolitique et du pur rebond technique, la tendance a quand même été soutenu par des statistiques économiques supérieures aux attentes aux États-Unis. Le CAC, lui, bondit donc de 1,5%. On se retrouve autour des 4369 points, un marché qui a préféré se concentrer sur la saison des résultats trimestriels qui débutent enfin à Paris. Ailleurs, même tendance, Francfort avance de 1,7%, l'Eurostoxx bondit de 1,66% et Londres de 1% du côté des valeurs. Alors, la publication de Publicis a été lourdement sanctionnée par le marché. Le titre fait figure de lanterne rouge après des résultats qui ont été jugés un peu courts, avec notamment une marge opérationnelle qui a particulièrement déçu. Puis le groupe a également prévenu qu'il lui serait très difficile dans ce contexte d'atteindre sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2014, après le projet de fusion qui a été avorté avec l'américain Omnicom. C'est l'une des rares baisses sur le CAC. Le secteur parapétrolier, en revanche, était à la fête, alors que les prix du pétrole sont repartis à la hausse dans un marché qui reste quand même particulièrement attentif aux fortes tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie. On parle également de sanctions économiques de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, notamment dans le domaine de la défense ou du secteur pétrolier, ce qui a soutenu donc le secteur. On a Technip qui publie jeudi prochain qui signe la meilleure performance ce soir sur le CAC, suivi de Total qui se distinguait également dans le vert. Sur le SBF 120, à noter que Soitec bondit de 7,7% après la publication de son chiffre d'affaires donc du premier trimestre. Un exercice qui a été marqué par un bon démarrage de l'activité dans le solaire. Et puis à noter également que le groupe anticipe une croissance à deux chiffres de sa division électronique portée par son partenariat avec Samsung. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, perd du terrain face au dollar. On est revenu nettement sous le seuil des 1,35 à 1,3471, une monnaie unique qui pâtit des tensions géopolitiques et qui casse également le seuil des 137 yens, donc à la faveur d'une baisse de 0,28%. En fait, tout simplement, c'est le dollar et le yen qui profite de ce regain de nervosité et d'aversion au risque, avec quand même une légère prime pour le billet vert qui grappille 0,13% face à la devise japonaise. On est autour des 101,53 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui subit encore quelques prises de bénéfices ce soir et qui s'échange désormais à 1,306 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.